Veux bien. Ok? Bien entendu. C'est parti. Première question. Quel est ton mot préféré? Mon pardon? Quel est ton mot préféré? MOT. Soleil. Soleil. Très bien. Le mot que tu détestes. Hypocrisie. Ouais. Ta drogue favorite. Ma drogue, ah ben la cigarette. La cigarette, d'accord, ça c'est vrai. Ok. Je la fabrique moi-même depuis 2 ans. J'importe les feuilles de tabac et je fabrique moi-même les cigarettes. Bravo, d'accord. Tu importes les feuilles. Donc tu as un lieu, tu as un champ de tabac à proximité où tu vas Quand j'ai cueillir? commencé les graines, je les cultiverai moi-même, mais pour l'instant, j'importe, enfin, on fait venir les feuilles de tabac et ça me revient à 19 euros le kilo. D'accord, ok. Très. Ok. Le son et le bruit que tu aimes. Musique, la musique. La musique. Le son et le bruit que tu détestes. Les hurlements. Bien. Alors, ton juron, gros mot ou blasphème favori? Gros mot favori. Ouais, Oh. gros mot, juron, blasphème favori, celui que tu lâches le plus facilement quand tu es en colère ou surprise ou... Je vais dire Parfait, je prends, je prends. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque. Alors, c'est peut-être pas la bonne notion vers laquelle vous souhaitez aller globalement, mais s'il y Non. avait une nouvelle monnaie à faire, quelle est l'effigie? On peut mettre la photo Deux. d'autre chose. Ah, si tu veux, alors tu peux répondre à côté ou avec. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu mettrais en effigie d'un nouveau billet de banque? Je sais pas, quelque chose qui va deux mains qui se touchent. Hein. Bien. Voilà, pour l'échange, par exemple, l'échange humain. Voilà, parce D'accord. que pour nous, la monnaie, c'est d'origine, c'est une monnaie d'échange. Et l'échange, il vient de l'humain, il vient pas. Ouais. Enfin, voilà. D'accord, ok. Donc, plutôt le symbole d'échange et de communication. Très bien. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire. Banquier. Ok, d'accord. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Le chat. Le chat. Là, c'est la dernière question, c'est la dixième. Je l'ai légèrement modifiée, mais très très peu. Ça reste quand même dans l'esprit. Imagine que Dieu existe. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire après ta mort? Aider les humains, les êtres vivants. D'accord. Un encouragement pour que Dieu, donc s'il existe, aide les humains. Très bien. Merci Annie d'avoir répondu au questionnaire de Bernard Pivot.